un des sites primordiaux de la Spélo historiquement, c'est la zone de la Mescla, comme les Ports Mioux à Marseille. C'est un endroit qui est mystique puisque tous les grands plongeurs spéléo de ces 50 dernières années se sont adonnés à la Mescla. Tu as cette page d'histoire, tu as déjà il y a des copains, Tietier, c'est Ségelo, c'est un ami pour qui je portais les bouteilles à l'époque. Le Guen, bien sûr, les scaphandriers du désert, bien sûr, c'est un mec qui nous a fait rêver, quoi. C'est un grand monsieur de la plongée. Tu as Saint-Mailleur aussi qui est venu ici. C'est, voilà, à chaque fois tu sais que ces mecs-là sont venus là, tu passes sur leur fil. Les drames, oui, j'ai perdu un copain, Jay, plus loin, en 98. Bon, ça fait partie de l'histoire, ça fait partie du jeu, ça fait partie du jeu. Mais c'est tellement beau, quoi, c'est tellement beau. Et on profite de l'expérience de ces gars-là pour aller de plus loin, quoi. Alors certains parlent de l'âme de la Mescla, moi j'irai pas jusque là, mais c'est vrai que oui, cette dame m'a dit à l'oreille lors de ma première tentative en 87, fais demi-tour, c'est trop fort pour toi. J'ai entendu clairement ça. Je n'y crois pas moi-même, mais c'est vrai que j'avais besoin de ça pour me dire, ok, tu as fait la mission, tu es devant ce puits, cette cascade qui te tombe sur la tête, tu sais qu'il y a quelque chose au-delà, mais ça ne sera pas pour aujourd'hui. Et donc j'ai repris tout mon matériel et je suis rentré. Mais oui, quand on reste très longtemps sous terre et en plongée, on entend des voix. Alors c'est la fatigue, c'est la narcose, c'est la grande solitude. Il faut savoir qu'on fait des paliers qui durent plus de 7 heures, des fois tout seul, dans un environnement hostile par définition, et le tout à des dizaines d'heures de la sortie. Donc oui, tout ça, ça fait travailler le mental. Ah ben à chaque fois, c'est découverte. En plus, on est à l'air, donc il y a l'effet de la narcose qui influe aussi. Donc on est un peu dans un état second. Après, il y a toujours l'excitation qui prime, hein, parce qu'on veut toujours aller au-delà. Mais bon, après, on est quand même loin, de plus en plus loin, et il y a la profondeur qui joue. Donc le risque, il grandit au fur et à mesure qu'on s'éloigne de l'entrée du siphon. Hein. Donc ça, il faut en prendre conscience. Bon, même si j'ai vraiment passé du temps, une fois arrivé sur les 139 à dérouler, même si j'avais vraiment une position horizontale, j'ai quand même jeté un petit coup d'œil vers le fond, et pour moi ça continue. Ouais, je pense que ça continue au minimum dans les 180-190 mètres de profondeur, pour ce que j'ai pu voir.